Salut à tous les amis, je suis de Fantasia954, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Fantabob Games, troisième épisode de gameplay sur 3, Hypernova Escape from Adea, ce jeu de gestion, de stratégie, qui vous met dans la peau d'un colonialiste sans pitié. Enfin non, il veut juste survivre et créer un pont vers les étoiles et ainsi partir dans l'espace avant que sa planète soit totalement détruite. Pour cela, nous tuerons toutes les vagues d'indigènes qui seront ici parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on veut survivre. Donc je vous rappelle trois ressources principales donc qu'il faut bien gérer. Et là actuellement mon grand défi c'est celui de l'électricité. Pour cela je vais avoir besoin d'une technologie supérieure qui s'appelle l'Energy Generator One. Et pour cela il me faudra 10 000 people. 10 000 people et pour l'instant c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, on vient de dépasser les 1000, ce qui nous a permis d'avoir un magnifique toit par-dessus. Et je pense que le défi va être vraiment sur ça. Le Fixie Coil, je m'en fous un peu. Je vais utiliser mes ressources vraiment pour... Ok, relaxer Flyer. Il me faut deux Print Amp déjà. Mais je vais jouer la carte des maisons. Je vais jouer la carte des maisons de base. Peut-être on arrivera à faire quelque chose en sachant que je leur ai donné de l'eau à bouffer, une école. Ce qui est déjà pas mal. Après, on va voir ce qu'on peut fabriquer d'autre. Super. Ça va, on se promène. Ils servent absolument à rien les péons, il faut savoir. Hein. Ils sont là, ils se promènent et... C'est juste parce qu'ils ont de l'air à respirer. Tout, c'est la technologie qui fait tout le boulot, quoi. Incroyable. Ici, on n'a pas encore épuisé le rouge. Tandis que ici, on est clairement en territoire hostile. Je défends ce terrain, mais pour rien, en fait. Hein. Je ne vois pas pourquoi je défends ce terrain. Il n'y a absolument rien à défendre. Je vais essayer de bien coller les maisons ensemble. Ok. J'avais dit que j'allais faire des constructions pour défendre, j'en ai fait deux. C'est pas trop dégueu vu la difficulté actuelle des ennemis qui nous attaquent, plutôt faible. Par ici ça sert clairement à rien. Donc on pourrait éventuellement... Oh, il y a du rouge ici. On va en mettre un ici. Voilà, ici ça suffit largement... Ici, ça suffit largement. On va défendre et ça, contre la sortie potentielle de personnages ici. C'est vrai que ça fait un peu léger quand même. La défense, ça fait un peu léger s'il venait à sortir de cette grotte, mais c'est pas grave. Pour l'instant, j'assume totalement. Ici, ça revient. Presque revenu, dis donc, le vert. Donc intéressant. Mais, cela dit, j'en ai là. Et le jaune, c'est j'en suis à la moitié, donc c'est plutôt pas mal. Ok, je suis loin de pouvoir construire un portail de l'espace. Hein. Je n'ai pas identifié les grandes ressources dont j'avais besoin. VDPT. VDPT, VDPT. Alors il y a différents types de biomes en fait aussi qui sont plus ou moins dangereux. Par exemple il y en a qui sont moins sensibles aux attaques parce qu'en fait ils sont entourés de murs de lave violette. Ouais il va falloir vraiment se déplacer en fait, c'est un jeu de nomade. Hein. Mais bon ça tombe bien, en fait il faut savoir que tous les bâtiments sont déplaçables. Tu peux prendre n'importe quoi et le déplacer contre un petit peu de verre. C'est ça, c'est du verre que ça coûte, hein. Je vérifie. Ouais, deux verres, tu vois, c'est que dalle. Donc avec suffisamment de verres, ta base, tu la mets où tu veux. Peut-être on devrait envisager ça, pour l'exemple. Non, mais c'est trop tôt pour le VDPT. Comment ça s'extrait, le VDPT ? Vérification. Hop. C'est pas ça. Ah, vous entendez la lave que je vous ai parlé? Ouais. Alors aussi, par exemple, pareil, avant de nous déplacer et de commencer à attaquer éventuellement les maisons des civilisations locales et très hostiles et méchantes,
parce que ce sont des étrangers. C'est par principe. Putain, j'ai dit n'importe quoi. Il va falloir créer le blaster de la mort qui nous permettra de faire ça, c'est-à-dire le Lair Slayer. Et pour cela, il me faut 6000 personnes. Donc vraiment, le défi pour la suite de cette aventure va être la création de ces maisons et que les résidents arrivent à 10 000, ce qui est quasiment impossible en l'état, quoi. Comment je vais me démerder? Il aurait fallu que je commence à en construire davantage. Recycler. A driller has just depleted the resource deposit. Ah, sympa, c'est-à-dire qu'après le fix-it coil, tu peux l'améliorer pour qu'il répare encore plus vite, d'accord. Ici, ça serait le Vigilant. Là, on ne sait pas quelle est la technologie. Ok. Ah, oh là là, il faut 32 000 personnes, mais en fait, au niveau civilisation, je suis vraiment pas bien. Donc, je crois que vraiment, le défi, ça va être de fabriquer un max de maisons. Tant que j'ai un peu, on va faire ça. Hop, ici ça va, tout va bien, pas de danger à l'horizon. Ici on a du jaune, ce qui est plutôt bon à savoir. On a du rouge et juste à côté, évidemment, d'une magnifique... Oh là, on a du rouge, dis donc. On a du rouge et on est à l'abri de tout quasiment. Est-ce que on tente le grand déménagement? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai plus envie de faire des relais, des trucs comme ça. Par exemple, ce que j'avais mis là, tu vois, quand dès que c'est niqué. Allez. En plus, on en a plein du rouge. En fait, on manque de rien. On manque de rien. Le rouge est là. Le rouge est là et pas d'ennemis. Donc on va essayer de s'étendre par là. Non, je vais mettre là. Alors, ils viennent d'où? Oh merde! Ils viennent de là? Ah ouais, d'accord. Bon. Pas vraiment un danger. On se barre! Titre du message. Les messages sont achevés dans le log. Ok, d'accord. Well done. Ah oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup là. Bon, ça on va le déplacer. Oh merde! Comment ça, ils breaking through? Ils sont en train de niquer nos défenses, qu'ils disent. Ah, c'est là! Surprise, motherfucker! Tu crois quoi? Tu crois qu'on va se laisser faire? Par des indigènes? Ah, voilà. Très bien. C'est pas mal. Là, on va pas se faire embêter. Ça, c'est ici. Alors, bien sûr, y a rien qui me protège. Mais du coup, j'ai fait ma place pour ma maison juste à côté de l'école. On va essayer de les faire de manière intelligente. Ah, c'est pas très intelligent. Allez, on déplace la ferme. Et là, on est bien. On est bien, on est bien. Ne mourrez pas de faim, les mecs. C'est bon. Voilà, tout est là. Ouf. Ils ont eu peur. On va pouvoir fabriquer des choses pour leur confort. Ces choses pour le confort, ça va être Relax Flayer. Pour cela, il va nous falloir un print hump. On va commencer par le print hump qui va nous permettre de faire des constructions, disons, sympathiques pour les villageois. Lequel? Oh, il a tout niqué, il a tout bouffé. Oh là là, on est en train de détruire la nature. Ok. Donc du coup, ce power n'est pas vraiment utile puisque l'autre il gère jusqu'où? Question. Ah mieux. Lol. Toi tu gères jusque là, ouais. Donc en fait le power là, on en a pas besoin. On pourrait prendre le relais.
Qu'est-ce qui nous manquera le plus? Du rouge, hein. On va essayer de nous rapprocher ici. Très bien. On va rapprocher ça ici. Pareil, ce truc-là qui est un petit peu abîmé. On va essayer de le rapprocher de la zone. C'est pas assez près du rouge encore. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Pas de rouge. C'est quoi ça? Moi j'ai bien envie de rapprocher. Allez, on rapproche. Je vais mettre ça là. En hauteur. Hello Kitty. Pas de soucis, mec. Lui, on va le ramener sur le vert. Pas la peine de gaspiller les ressources. Elles sont là, elles sont disponibles, on les prend. Je vais mettre mon troisième bit amp. Bit print amp, pardon. Putain, rien à voir. Oh là là, il y a une maison qui vole depuis 3 jours et que vous êtes en train de gueuler dans l'espace de commentaires et que j'ai rien vu. Oh là 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 là. Oh là là, comme je suis pas désolé. Oh là là. Ça, on peut le déplacer. Oula. Putain, ils vont un peu loin. Ça là. Tu peux le déplacer et faire une place pour une vraie maison. Je crois que ça, c'est sympa. Par contre, c'est sympa, mais un peu dangereux, non? La vraie maison. On va la mettre près de l'école. Ah, putain, la merde. On va relocate. Ah non, on peut pas. Ah non, il ne pourra jamais revoler. Ok, bon, c'est la maison là qu'on va déplacer. Et du coup, est-ce que maintenant c'est bon? Ah non. Ah non. Ah. Non, dis donc, je suis un peu nickel. Ah, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée de pouvoir rebouger ces bâtiments. Quand tu fais de la merde, ça permet de refaire les choses comme il faut. Oh merde, ils sont en train de mourir. Arrêtez de gueuler, c'est bon. Oh, oh. Je suis jamais content. Du coup, ça je sais pas, c'est bien. Ça je préfère. Pourquoi tu dis Hello Kitty? Ça n'a rien à voir. Très bien. Ok. Ici, on a déplété le truc complètement. Tandis que ici, la tourelle ne sert à rien. On pourrait la déplacer. Peut-être protéger ici et ramener. Oh! Oh! En fait, j'ai abîmé sérieusement mon respirateur parce qu'il n'était pas alimenté en électricité. Et lui, en fait, ne voulait pas fonctionner parce qu'il n'était pas alimenté en air. Tu vois la cohésion du truc, quoi. Ah, d'un coup, on respire. D'un coup, on respire et je me dis rien du tout. Parce qu'en fait, j'ai un gros doublon. Tandis que ici, j'ai quasiment niqué le truc. Ouais, on pourrait prendre et essayer de rapprocher ça. On va se rapprocher ça ici. Et on va essayer d'aller chercher le jaune. Ah putain, c'est pas du jaune qui nous manque, mais c'est pas grave. Ça, on va pas le perdre, on n'est pas con. On pourrait protéger. Le jeu est cool, hein. Je vous dis. C'est l'impression que ça me laisse. Je m'ennuie pas, quoi. Je m'ennuie pas et j'aime aussi la flexibilité de la base. Je sais pas si le jeu aura du succès ou pas. C'est quoi que je suis en train d'essayer? Voilà, Driller, normalement, il devrait passer ici. Quoique, d'un point de vue électricité, est-ce que l'électricité... Non, hein, l'électricité ne nous projette pas assez loin. Question, la moverboard, ouais, non, on est bon. On a besoin de rester dans la zone. Super, super, on est bien. On est très bien, et là par contre ça va pas suffire. Ça va pas suffire pour alimenter le drill, mais c'est pas grave. Oh là là, et on manque aussi... d'air respirable pour ce truc là.
Et ça, c'est un peu trop dangereux. Il n'y a aucune raison de le mettre ici, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on va mettre le Unlock... pour... le Relaxifier. Et on va essayer de booster... faut arrêter, les mecs. J'aimerais que vous arrêtiez de bouger du Movership. Ok. Oh, dis donc, il arrive. On est bon. On est totalement bon sur ce coup. Par contre, danger... Non, absolument aucun danger. Super. Niveau population, on est à 3000. Le but va être de fabriquer quelque chose qui les... Ah, j'ai oublié de valider. Relaxifier, validé. Et là, je vais pouvoir fabriquer le relaxifier qui augmente la capacité de 25 par minute. Ce que j'aurais dû faire... Peut-être avant. Bon, après, j'imagine que quand on connaît le jeu, on fait mieux. Hein. Ça, on va le déplacer. Il n'y a aucune raison de rester par là. Il n'y a aucune raison de rester par là. Je pourrais ramener par ici. Il y a quoi? Pourquoi il est en pause? Pourquoi il est en pause? Parce qu'il lui manque quoi? Non. Régénération. Ça régénère. Ok. On a quand même deux unités de minage qui ne servent à rien. Donc je pense que après avoir posé le relaxifier là qui a été fait, qui n'a pas été fait. Eh. Il n'a pas été fait. Et lui, il nous faudrait un print homme satination. Ok, donc on va le faire aussi. Est-ce qu'on a développé la technologie pour ça? Oui. Repurposing, shotty. Je suis sûr que vous voudriez me voir faire plus de défense, mais pour l'instant, vraiment, je ressens pas le danger. C'est sympa, éventuellement, de nous offrir la possibilité de recycler nos buildings. Parce que je sens bien la grosse connerie arriver et me retrouver coincé. Donc après, le défi, ça va être de se déplacer dans la map, d'augmenter nos déplacements, la capacité de transfert d'énergie, etc. Jusqu'à récupérer trois fois trois ressources principales. J'essaie de vous les montrer. On en avait vu une déjà, le VTPD. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ici on en a une autre qui permettra de faire celui-ci. Donc on en a une ici, vous voyez. Et une autre. Donc les parties peuvent être extrêmement longues, hein, de ce que ça m'informe, moi. Très sympa de voir ici cet espace, vous voyez. On a en fait toute une zone, vu qu'elle est en hauteur, on n'a pas besoin d'air, on a juste besoin de ramener l'énergie. Ça peut être extrêmement astucieux. Extrêmement astucieux, donc c'est un environnement vivable de base. Même, ok, ici c'est rouge, du rouge, du rouge. Je vais essayer de trouver... Putain, mais il y en a 4 en fait, pour l'instant j'en ai vu que 2. Donc vous voyez, dans la map, il va falloir vraiment faire un boulot monstre. Je sais pas si les gens auront la patience. Et la question aussi... Ah, oh, trop cool. La question que je me pose, c'est est-ce que des ressources apparaissent quand on les... quand on nique ce genre de truc. Ok, alors merci. Voilà. Ça devrait aller pas mal. J'essaie vraiment... Non, il faudrait que... Ah, là, il y aurait peut-être moyen, dis donc. En déplaçant légèrement. Déplacement ici, bien sûr, ça va pas être content. Question, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Au niveau eau, oui. Et en bouffe, oui. Ouais, on pourrait en mettre une plus supplémentaire. Et regardez comment ça augmente, on est bientôt à 3900. C'est superbe, c'est magnifique. Ok, très bien. Ici on défend rien, hein, les mecs. Faut pas déconner, faut arrêter. Est-ce qu'on a fabriqué notre recherche? Notre recherche est toujours en cours. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour pouvoir fabriquer ce genre de choses? Non, non, non. Je ne veux pas abandonner, pas du tout. Ok. Ici, il veut plus. Ici, il veut bien.
je manque de rouge. Si je veux du rouge, il faut que j'amène de l'électricité et de l'air par ici. C'est complètement envisageable. Pour ce faire, je compte commencer à fabriquer ça. Hop, un purifier. Ouais, je sais, j'arrive bientôt au bout. Ah, tu vois? New technology, qu'est-ce qu'il me faut pour fabriquer ça? C'est pas ça du tout que je cherche, c'est ici. Print Hump Utility, ben on y va. C'est quasiment indispensable de faire ça. Ok, ça construit. Eh, on n'a pas passé un bon moment dans cette série? Moi je dis que si. Hein. Moi je dis si, si, totalement. Ça va pas être facile, mais on peut le faire. Allez, vas-y mon gars. On va purifier un peu l'air là. Et on va ramener ce qui glandouille ici. Allez, c'est bon. On est bon là. On n'a même pas besoin d'air là. Ah si, on a besoin d'air pour alimenter ça. Tranquille. Par contre, là, c'est nul hein, comme défense. Pourquoi on a fait ça là, ici? Ça, éventuellement, on pourrait avoir besoin de plus là. Oh yeah! Oh, regardez comment on gère bien. On gère bien! Le recycleur est en cours de sortie. Et ensuite... Oui, pour éviter... Vu qu'on va arriver... On va être bien content de pouvoir recycler nos maisons ou autre chose. Si jamais on fait de la merde. Est-ce qu'on a... Oh, dis donc, on a une deuxième maison qui s'est vue pousser un étage. Ce qui est complètement magnifique. Un deuxième. Là, ça va pas tarder. Est-ce qu'il y aurait moyen de rajouter une maison? On va essayer de rajouter encore une maison. C'est pas ici. Où c'est, dis donc? Ah, c'est là. Alors, attention, quand on fait atterrir ce truc-là... Ah, c'est quand tu le fais atterrir, ça bouffe le truc. Ok, je comprends. Effectivement, on va pas le mettre n'importe où. Je vais le mettre... quelque part où j'en ai pas besoin. Non, en fait, c'est nul. Tu vas le mettre là, et puis... Où c'est qu'on se fait attaquer? Ah, on s'est attaqué par cette, ce truc ici. D'accord. Ça, on va le déplacer. Il n'y a aucune raison qu'on le laisse ici. Et éventuellement, ouais, c'est le moment de revenir taper ici puisqu'il a dû se régénérer. Ok, ok, cool. Oh, et regardez, oh là 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 là, comme on est très bon, comment tout ça s'est extrêmement bien passé, cette petite série, cette mini-série du gameplay sur 3 avec The Phantasia 974. J'espère que vous avez fait une jolie découverte, éventuellement trouver un jeu pour vous occuper, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos découvertes, mini-série, jeu à la con, vidéo what the fuck, coop avec Bob, enfin voilà, la totale, Fanta Bob Games, le fun, comme d'hab. Allez, bise, c'était Fanta.